côté de ce président Félix Tshisekedi, le trophée de la CAN 1992. Maintenant, après, vous voici en train de célébrer la joie du sac continental. Que d'émotions pour vous, pour ces jeunes gens qui, pour la plupart, foulent pour la première fois le plancher du palais de la présidence de la République. Que de souvenirs pour tous, et particulièrement pour moi, qui étais encore plus jeune en train de vivre les larmes aux yeux, cet hommage aux valeureux combattants de l'époque de 1992. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'athlètes est devant vous en attendant sa distinction dans l'ordre des mérites sportifs. Cette cérémonie, loin d'être uniquement une tradition, est le témoignage de votre attachement à l'excellence. Tout ce qui touche à l'honorabilité de la Côte d'Ivoire, tout ce qui contribue à rehausser le prestige de la nation est une préoccupation pour vous et vous ne ménagez aucun effort pour y investir. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous dire toute la gratitude et la reconnaissance des athlètes ici présents. Mesdames et Messieurs, 21 ans après le sac de leurs aînés du Sénégal, les cadets nous font vivre les émotions d'une victoire continentale. C'est pourquoi la date du 27 avril 2013 restera à jamais gravée dans la mémoire de chacun de nous, particulièrement dans celle des jeunes athlètes. En effet, partis presque dans l'indifférence générale, ils ont cru en eux-mêmes, ils ont défendu les couleurs de la nation et sont revenus avec le trophée continental. Ils répétaient en cœur, avant chaque match, nous sommes les champions. Au-delà de la joie, c'est donc un sentiment de fierté qui habite chacun des Ivoiriens ici présents. Me tournant vers vous, les éléphants, je vais paraphraser votre slogan. Vous êtes les champions. Oui, vous êtes les champions d'Afrique depuis le 27 avril 2013. Vous êtes le symbole qui donne le soir, car vous n'avez jamais mis en avant les préoccupations matérielles et financières. Votre motif était de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Votre abnégation au travail vous vaut aujourd'hui la reconnaissance de la nation. Lorsque ce matin du dimanche 24 mars 2013, jour des rameaux, je vous ai retrouvé à Bergerville pour vous dire au revoir et vous souhaiter bonne chance pour Tunis, vous m'avez dit votre engagement à revenir avec le trophée sur les bords de la lagune Ébré. Vous l'avez promis, et vous l'avez réalisé. Je le relève pour montrer votre volonté et votre détermination à tenir vos engagements. C'est maintenant le plus dur qui commence. Vous devez grandir et vous allez grandir. Vous serez des éléphants pour nous conquérir nos trophées, comme l'a souhaité tout à l'heure le président de la FIFA. Pour y parvenir, je vous invite encore à plus d'humilité au respect de vos encadreurs. C'est à ce prix que vous irez toujours de l'avant. Gardez-vous de vous laisser gagner par l'ivresse des hauteurs. Ainsi doivent être avec vous les jeunes de Côte d'Ivoire, des citoyens responsables et engagés. Vous êtes précurseurs d'un processus, d'une dynamique de la victoire. Votre sac est le point de départ du rayonnement du sport ivoirien. D'aucuns disent que vous venez de vaincre le signe indien. Désormais, ce sera des trophées, des médailles, rien que des trophées, des médailles, afin de procurer à nos populations joie et fierté, car nous avons trop pleuré. Nous nourrissons l'espoir que vos aînés basketteurs seront sacrés champions d'Afrique cette année, à l'occasion de la Coupe Basket 2013 qui sera organisée en août prochain. La solidarité qui a caractérisé l'équipe, de la délégation officielle à l'encadrement technique en passant par les joueurs, doit être renforcée. C'est le lieu pour moi de remercier vivement l'encadrement technique qui assure à chaque instant motiver et remotiver les jeunes athlètes. J'associe volontiers à ces remerciements la Fédération ivoirienne de football à travers son président, mon ami et frère Sidi Diallo, qui a tout
tout mis en œuvre pour conduire les jeux à la victoire. Mesdames et Messieurs le Président de la République, moment de joie, la présence est venue s'accommode moins de longs discours. Permettez-moi alors de m'arrêter là en étant persuadé que sous votre présent mandat et celui à venir, d'autres faits seront conquis dans toutes les disciplines sportives en Côte d'Ivoire. Véritablement, c'était un grand moment de joie pour moi, pour tous nos compatriotes, car nous avions pensé que nous pouvions gagner cette coupe également. Donc bravo, nous sommes les victorieux et nous sommes les champions. Bravo. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette victoire est le résultat d'un travail soutenu et constant. Et c'est pour cela que je voudrais saluer tout particulièrement notre entraîneur et tous les encadreurs. Les jeunes gens ont dignement représenté la Côte d'Ivoire. Le gouvernement estimait que quand on se comporte bien, il faut être récompensé. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est un cérémonial qu'il faut instituer pour récompenser les meilleurs. Il ne s'agira plus d'organiser des cérémonies pour le plaisir, mais justifier tout qu'on a gagné la cérémonie. Aujourd'hui, nous avons des champions d'Afrique. Ce sont ces champions d'Afrique qui ont gagné. Elle va s'étendre à toutes les choses. Aujourd'hui, nous allons aller vers la classification de la compétition, de sorte à ce que, à la fin d'une compétition où l'athlète se sert, vainqueur, il soit récompensé dans ce bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la footballeur, mais nous viendrons avec les autres qui ont remporté des médailles. Tout ça est honneur à moi. Merci beaucoup. Qui nous a accueillis aujourd'hui. Et je dis merci au ministre, le président qui nous a accueillis aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous disons merci pour tout ce que le président a fait pour la nation, pour la jeunesse, surtout le sport. Moi, je suis très heureux de la terre qui nous est réservée aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier le ministre pour ce qu'il a fait pour nous.
ce que le président a fait pour nous. Et nous rendons gloire à Dieu encore. Merci encore. Nous remercions encore le président.